Allo, c'est Tao, et aujourd'hui les gars, on se retrouve dans un nouvel épisode, on est simplement sur Evolia, et vous pouvez voir que j'ai une putain de foreuse. Alors oui, là on est dans ma base, ok, vous allez me dire, ouais, c'est pas beau et tout, mais n'inquiétez pas les gars, c'est que la deuxième partie, c'est là où je vais sûrement emménager en mettant des spawners ou des trucs comme ça, quand on fera une base à 0%. Mais en Wow. attendant les gars, là on est sur la partie plus intéressante, tu vois, ça c'est la base. Donc voilà la bête, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, j'ai fini un petit peu la dégo, j'ai amélioré, j'ai mis des pierres de l'ender un peu partout. À voir ce que je fais ici, je suis pas encore sûr. Idéalement j'aurais bien fait une base 0% mais les cordelets sont pas dingues, donc je me tâte à faire ça ici. Donc déjà dans le premier temps on va récupérer tout ce qu'il y a qui est en train de, tout ce qui est en train de cuire. Donc on a pas mal de petits lingots de titane. Évidemment tout ça on récupère parce qu'on va avoir besoin pour crafter des petits trucs sympathiques. Donc vous pouvez voir que aussi juste là devant moi ici, j'ai crafté la petite fonderie, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas le nom. Ça s'appelle l'extracteur, voilà, donc j'ai crafté l'extracteur. Enfin bref, donc les gars, voyons voir comment marche cette machine. Alors c'est simple, j'ai mis une batterie dedans, donc ça, je m'en suis déjà servi, donc vous pouvez voir que la batterie, elle a 100 utilisations. Là, il m'en reste 72, et par exemple, là, je vais descendre en bas, je vais faire chercher, donc ça va activer la machine. La machine, là, elle est en route, vous pouvez voir qu'elle est allumée, alors tout à l'heure, c'était éteint. Et du coup, là, c'est en train de fonctionner, de fonctionner, de fonctionner. Donc là, je suis dans mon panier, tu vois. Je récupère tout ce qui a cuit pour l'instant. Donc là, on peut voir dans mon inventaire que qu'est-ce que j'ai eu là. Bon, j'ai eu 8 poudres. 8 poudres d'émeraude et 3 poudres de diamant. C'est pas dingue. Avec ces poudres, après, par exemple, avec ces poudres, après, tu vois. Donc par exemple, là, je vais prendre les poudres d'émeraude. Tac, je dans ma table d'enchant. Et avec, je peux tout simplement crafter. Comme vous pouvez voir, bah, juste. Oula. Comme vous pouvez voir juste là, les gars, avec ces petites poudres d'émeraude, je peux me crafter une petite émeraude. Donc voilà, donc vous allez me dire oui, c'est pas dingue, c'est de l'émeraude, c'est de la merde. Mais voilà. Du coup, on va reposer ça juste là. Tac. Il faut voir qu'on a pas mal de choses. Donc niveau minerai, on est pas mal. On a toujours l'aile de Delta Plane. Donc on va essayer de se faire un hang glider. Pour l'instant, j'ai pas le level pour crafter ça, je crois. Donc j'ai un petit peu de quoi crafter d'autres machines si besoin. Pour l'instant, ça a fait l'affaire. Une seule, ça va me suffire pour l'instant. Donc là, panier, je peux encore aller récupérer des trucs. Les gars, cette machine est très chère en titane, je suis d'accord. Elle coûte beaucoup de titane, mais l'avantage c'est qu'avec ça, vous pouvez avoir des minerais un peu à l'infini. Et quand vous avez comme moi beaucoup, beaucoup de random ore comme ça, bah ça sert au moins à ça et ça permet d'avoir des minerais. Enfin, là, du coup, des poudres de minerais pour faire des minerais après. Donc, les gars, pour certains d'entre vous, vous allez me demander qu'est-ce que j'ai dans la main. Alors, faut savoir que là, on est donc la première semaine de l'ouverture du serveur. Voilà, à l'heure actuelle, on est jeudi encore de la première semaine. Et vous voir que là, dans ma main, je suis simplement une âme, donc c'est l'âme d'un joueur, donc Yosaku, donc que j'ai tué, donc voilà, donc j'ai tué pour le test, hein. Donc Yosaku, on va voir que son âme, elle vaut 125 de money, ce qui est pas dingue. Et à côté de ça, moi, je suis mort sans faire exprès, bref, je suis mort dans ma base sans faire exprès. J'ai récupéré mon âme, donc chaque fois que quelqu'un meurt, il drop son âme. Et voir que mon âme a quand même vachement plus de thunes. Je peux rien faire si je fais clic gauche ou clic droit. Ça fait absolument rien, les gars, ça me sert à rien dans l'état actuel, c'est juste un petit trophée. Sauf que, il existe dans le spawn ce slapper, donc ce petit PNJ là, ce petit bonhomme, donc voilà, qui est simplement un acheteur d'âme, comme c'est écrit sur sa tête là. C'est un acheteur d'âme, donc petite déco sympathique dans ce stand. Donc vous voyez que là, je vais faire clic gauche sur lui, non, clic droit, pardon. Et il y a écrit convertir les âmes, donc si je fais convertir les âmes, j'accepte, et toutes les âmes que j'ai sur moi, il les a converties. Et du coup, bah, vous voyez que là, dans mon inventaire, je n'ai plus mes âmes. Elles ont été vendues et la thune est directement allée dans mon scoreur. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, qui découvriraient. Lâchez le petit like, évidemment. Le petit commentaire, j'attends toujours vos objectifs pour cette saison. Donc, on a déjà dit le full saphir. Être dans le top money, avoir au moins 1 million. Et aussi être dans le top fac. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est Tao et à la prochaine, bande de BG.